Bonjour, Claude Diabouri. Je suis présentant dans le plus gros terrain de jeu pour adultes et Jean-François Ménard, directeur location Stade Arena Aventure. Jean-François, il paraît que tu es rendu agence de voyage. Ben oui, effectivement, détenteur de permis du Québec, agence de voyage qui se spécialise en fait principalement dans le forfait aventure, le forfait avec les véhicules hors route. Autant au niveau nautique que sur la terre, sur la neige. Donc, à tous les niveaux, on est de plus en plus présent, mais le fait d'expansionner au niveau de l'agence de voyage, on va vraiment aller chercher la forfaitisation au niveau des forfaits, autant du sur-mesure que du sur-préétabli avec des journées, des durées déjà déterminées ou bien non, du sur-mesure que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, mixé aussi, on fait de tout. Alors, on va pouvoir s'amuser beaucoup. Jean-François, moi j'aimerais ça m'amuser cet hiver, qu'est-ce que tu peux me proposer? Bien, en fait, on a un peu de tout pour vous cet hiver. On a un forfait déjà préétabli de 6 heures ici en région qu'on va vous amener dans des endroits assez particuliers au niveau de points de vue, tout ça. Sentier, hors-sentier un petit peu mélangé. On va aussi profiter beaucoup d'un forfait avec une dégustation un peu du terroir local. Donc, un forfait aventure et aussi dégustation. Un petit peu de surprise, je ne peux pas tout vous dévoiler présentement, mais par contre, un 6 heures comme ça. Ensuite de ça, on a du 2 jours. Du 2 jours aussi avec du multi-activité. On peut aller faire un tour à la pêche au village, exactement, ah, oui. À Saint-Anne-la-Pérade. Ensuite de ça, une petite tournée aussi en Mauricie et beaucoup dans la région ici, c'est bien sûr dans la région de Portneuf. Dans les temps aussi directement accès direct au sentier, la 23 et la 73 dans la Transcanadienne, bien là, on peut faire aussi du forfait du sur-mesure parce que vous savez aussi que chez nous, bien, ça se fait. Donc, vous voulez partir une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, en dehors des forfaits pré-déjà établis. On peut se monter quelque chose. Ben oui, effectivement, on peut faire une activité le matin en traîneau à chien, l'après-midi motoneige, le lendemain matin on peut faire un autre bois wow. Motoneige, pêche, on mélange de tout un peu. Si vous voulez quelque chose de bien, de fait juste pour vous, il suffit de nous appeler puis on peut vous bâtir un forfait sur mesure pour vous sans problème. Puis dans la région ici, c'est reconnu, on peut jouer dans la neige pas mal longtemps. Effectivement, en étant directement ici collé sur le nord, comme je vous disais, aux Transcanadiennes, la neige est toujours abondante tôt en saison et surtout aussi tard en saison. Donc pour les amateurs de motoneige qui croient que la motoneige en mois de mars s'en vient terminer, ben au contraire, nous ici, en fait, ça débute pas parce que ça fait longtemps qu'on en fait, mais par contre, il y a une bonne période longtemps au mois de mars que les sentiers, en fait, sont très, très, très bien entretenus et toujours de bonne qualité. Les clubs nous permettront de nous amuser très longtemps. Nous amuser, c'est le thème.